victime depuis quelques années. Je suis licenciée au Cercle d'escrime de Reims et je fais partie du collectif France. Et donc moi c'est Pierre Vidal, comme l'a dit Aurore, je suis conseiller au niveau de performance sur le Club de Reims, mais rattaché à une entité qui est encore peu connue qui s'appelle la Maison Régionale de la Performance. C'est une entité qui a vocation à accompagner l'ensemble des sportifs de haut niveau du territoire. Et donc moi j'ai cette particularité de m'occuper des sportifs paralympiques. Et avant d'arriver au Crêpes de Reims, j'ai travaillé pendant 10 ans pour le mouvement handisport et la Fédération française handisport, donc ici à Reims, en tant que chargé de développement sur le comité régional handisport du Grand Est. Comment tu veux qu'on procède ? Tu veux démarrer ? Ça permettra de... Ça marche. Donc du coup, pour revenir un petit peu rapidement sur mes missions et ce que je fais comme travail au quotidien, je vais juste vous représenter un petit peu le contexte sur mon travail. Je suis basé au Crêpes de Reims, mais comme je vous disais, je suis sur ce qu'on appelle la MRP. La MRP aujourd'hui se définit comme le guichet unique du sportif de haut niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est de se dire que je sois sportif de haut niveau, peu importe où sur le territoire, je puisse avoir un interlocuteur qui réponde à mes besoins. Donc on est là pour répondre aux besoins, que ce soit d'une logique de performance. Hein. Bien sûr, le but c'est de les accompagner dans ce sens-là. Donc ça peut être aussi bien sur de la dimension physique, sur de l'accompagnement scientifique, sur des outils technologiques. Et nous, notre but, c'est vraiment d'analyser avec les sportifs les réels besoins pour qu'ils soient le plus performants demain pour les Jeux. Et effectivement, cette entité, la MRP, a été créée en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Donc c'est un peu une nouveauté pour le sport français. Ces Jeux qui sont... Déjà, c'est la première fois que la France va accueillir les Jeux Paralympiques d'été, ce qui est nouveau. Et donc, du coup, on a un devoir de réussite pour ces Jeux-là. Ce devoir de réussite a permis d'engager des moyens complémentaires, notamment dans l'aspect technologique, mais on y reviendra après. Le sport handicap, c'est un champ qui est assez vaste, qui est assez complexe. On n'a pas toujours une belle visibilité sur ce que c'est. Je pense que vous posez peut-être pas mal de questions sur ce que peuvent être le sport et handicap. Alors, j'aime pas ce mot sport et handicap, donc je vais le changer tout de suite. Je vais parler de parasport. Pourquoi parasport ? Parce que finalement, ça va regrouper plein de choses. Aujourd'hui, on entend souvent le mot handisport. Je fais du handisport. Le handisport, c'est une fédération sportive qui s'appelle la Fédération française handisport. Et donc, du coup, le mot handisport ne regroupe pas l'ensemble des pratiques sportives qui peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Donc du coup, alors c'est juste un jeu de sémantique, on va dire, et lui, avec sa sémantique, il m'embête un petit peu, mais c'est important de pouvoir se dire qu'aujourd'hui, les parasports, c'est un sport qui s'adresse à toutes les personnes en situation de handicap, qu'ils soient de compétition ou pas de compétition. Et puis, de parler d'une fédération, handisport, où on a la fédération du sport adapté aussi, on dit souvent sport adapté, mais finalement, on fait appel à une fédération. Alors que le mot parasport, finalement, il englobe tout. C'est pour ça que je vais utiliser au maximum ce mot-là, même si parfois mon expérience personnelle fait que j'utilise encore beaucoup le mot handisport, mais si je le fais, vous n'hésitez pas, vous me reprenez. Donc du coup, les parasports, ils ont une histoire assez récente, c'est assez nouveau. Hein. Alors nous, dans les médias, avec les jeux, on entend récemment parler, Stéphanie, tu pourras peut-être en témoigner après, sur quoi, toi, comment tu perçois en tant qu'athlète ces médias. Mais il faut savoir que c'est assez récent. À la base, les parasports, ils sont arrivés à peu près après la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ne sont pas arrivés comme ça par magie. C'était juste une problématique de blessés de guerre. On avait beaucoup de blessés de guerre et l'idée, c'était de se dire bah, qu'est-ce qu'on fait d'eux. Ils sont dans des centres, on essaye de, entre guillemets, de les réparer, de les rééduquer. Mais comment on peut faire pour que ça soit un peu plus joyeux? Et donc, on a un homme qui s'appelle Ludwig Guttmann, qui est un professeur neurologue de Stockmanville. Donc Stockmanville, c'est un peu c'est le berceau du parasport, du mouvement paralympique, qui a décidé d'introduire l'activité physique dans le processus de rééducation. Et à travers ça, en fait, il a développé les premières activités parasport. Alors il y avait du tir à l'arc, il y avait du lancer de javelot, le basket que tout le monde connaît, qui a commencé à apparaître petit à petit. Et ça a commencé à faire un petit peu des émules. Le grand moment, c'est quand il y a eu les Jeux à Londres. Lui, il a eu l'idée de faire, entre guillemets, ses Jeux à lui.
donc qui s'appelait les Jeux de Stockmanville. Et il a pris en fait l'ensemble de ses patients et il a fait des rencontres sportives le même jour que la cérémonie d'ouverture. Et c'était la première fois, excusez-moi, c'était la première fois qu'on avait une rencontre sportive avec des personnes en situation de handicap. Petit à petit, tout ça, ça s'est décliné à travers le système de rééducation en France. Pareil, on a un petit peu copié ce qu'ils faisaient, on l'a introduit. Et la France s'est mise un petit peu au parasport. Ensuite, on est retrouvé dans une problématique qui était, c'est bien, je fais du sport en milieu hospitalier, mais comment je fais pour faire du sport dehors? Et là, donc petit à petit, bah, comme tout mouvement associatif en France, on a des associations qui sont créées progressivement. Et les premières fédérations autour du sport et handicap, des parasports, sont arrivées uniquement dans les années 70. Donc on a eu les deux fédérations qu'on connaît le mieux, qui sont la Fédération française du sport adapté et la Fédération française du handisport, alors qu'elle n'avait pas ce nom-là à l'époque, qui ont commencé à se structurer. Et c'est uniquement 1970. Donc vous voyez, c'est assez récent. Parallèlement à ça, on a eu une autre fédération qui existait, qui ont été les premiers, d'ailleurs je les ai oubliés, mais qui ont à se structurer, c'est le sport sourd, qui lui, en fait, a très rapidement, début des années 1900, a commencé à s'organiser, à se créer de ses propres compétitions et ses propres rencontres sportives. Donc c'est vraiment les sourds qui ont été les précurseurs. Sauf qu'aujourd'hui, les sourds ne font pas partie du mouvement paralympique et ne font pas les Jeux paralympiques. C'est pour ça que j'ai un petit peu oublié, mais il faut en parler parce que c'est vraiment les précurseurs. À partir des années 70, du coup, ça s'est créé en fédération. On a commencé à avoir des associations qui se sont créées. Et petit à petit, on est arrivé à une nouvelle entité qui s'appelle le Comité paralympique sportif français, qui est un nouvel acteur, alors qui est plus vieux, hein, parce qu'il est arrivé en 1989, mais qui est vraiment un acteur qui prend beaucoup plus de place récemment avec les Jeux, vous l'imaginez bien, et qui lui a vocation justement à coordonner tout cet ensemble d'acteurs. Parce que c'est un mouvement qui évolue beaucoup. Aujourd'hui, vous n'avez plus uniquement les deux fédérations qui existent dans le mouvement du parasport. Vous avez de nombreuses fédérations sportives valides qui aujourd'hui organisent et gèrent l'activité parasport dans leur discipline. Par exemple, l'aviron aujourd'hui gère le para-aviron. Et vous l'avez de plus en plus. Ce qui rend un petit peu ce contexte compliqué à gérer et compliqué aussi à gérer pour la personne en situation de handicap qui cherche une activité. Parce que vers qui je me tourne quand je veux faire du sport et où est-ce que je peux trouver l'information quand je veux faire du sport et je suis en situation de handicap? Pas simple, je pense. Je sais pas si vous avez déjà eu dans votre entourage, mais on ne connaît pas forcément toutes ces fédérations et on ne connaît pas forcément tous les parasports. Des parasports, il y en a plein. Il n'y a pas juste un parasport. Il y a plein de façons de faire du parasport, que ce soit de loisirs ou de compétition, ou à des fins de santé. Et du coup, bah, chercher un club, ce n'est pas forcément toujours simple parce que l'offre, elle n'est pas forcément existante. Et donc, du coup, c'était aussi pour ça qu'il y a le rôle du CPSF pour coordonner tout ça. Et les fédérations qui sont bien sûr eux qui mettent en place à travers des clubs qui vont proposer cette pratique sportive-là. Je ne sais pas si tu veux peut-être, toi, donner ton... Comment t'es arrivé à faire du parasport? Comment t'es arrivé? Quelle démarche t'as fait? Déjà, moi, c'est venu parce qu'on m'avait interdit de faire du sport. En fonction de mon handicap, moi, j'ai la maladie des os de verre, ce qu'on appelle une ostéogénie imparfaite. Donc, par rapport à ça, j'avais aucun certificat médical qui me permettait, moi, de faire du sport. Donc forcément, je suis au contraire des autres, j'ai été chercher un sport d'opposition. Donc j'avais été chercher un peu la boxe à l'origine, où il n'y avait rien de mis en place à l'époque, et puis ils m'ont regardé un peu comme une extraterrestre. Et puis j'ai eu un club d'escrime qui venait de s'ouvrir sur le secteur de Joinville avec M. Alain Fèvre à l'époque, qui était son président, et puis il m'a dit, t'es notre première qui arrive, donc il n'y a aucune raison qu'on ferme la porte, on va essayer. Donc je suis arrivée un petit peu sans certificat médical, je passais pas entre les portes vu que je faisais plus de 150 kilos, et puis avec une maladie qui m'empêchait normalement de faire ce sport-là. Donc il fallait aussi, les pionniers de l'escrime handisport, il fallait aussi tout créer. On a démarré avec l'évolution du matériel, avec des fauteuils sécurité sociale coupés, avec des palettes, et puis bon, on y était. Se dire de toute manière, il n'y avait rien qui était fait pour, mais on avait l'envie. Donc, on y va. Quoi qu'il arrive, on a encore beaucoup de choses qui se mettent en place de cette manière-là, mais ça part d'origine réellement sur une envie. Une envie du sportif, une envie de la personne qui a envie de s'occuper, de se dire je vais aller au-delà
au-delà en fait de l'handicap un petit peu, et puis aussi, aussi des personnes en face, ceux qui sont formés, qui ont aussi envie de nous accueillir, envie de nous accompagner, parce que c'est aussi de temps en temps une sinécure. C'est-à-dire, la personne ne se transfère pas par elle-même. Il va falloir l'aider pour faire ça, il va falloir l'aider pour porter son matériel. C'est de temps en temps pas simple non plus. Il faut l'aider quand elle se retourne, parce qu'elle ne s'est pas attachée ce jour-là. C'est pas simple non plus. Donc c'est aussi l'accompagnement. On n'a pas, de temps en temps, c'est quand ça accroche souvent quelque part, c'est aussi un échange avec les personnes, et c'est aussi des belles rencontres en général qui nous permet de continuer. Donc le mouvement se crée aussi sur ça, c'est de la confiance, c'est des échanges et des envies qui nous permettent, nous, de continuer. Donc c'est un peu, voilà, c'est les rencontres qui ont fait qu'on a continué. J'ai trouvé un médecin qui m'a bien fait un certificat à un moment, et puis on a continué. On est sur des premières compétitions où j'ai regardé les autres tirer sans que j'en mette une. Et puis voilà, on continue malgré. Les personnes qui avaient gagné à l'époque m'ont donné une jolie médaille en me disant dans quelques temps, c'est toi qui me la donnes. Puis on s'est rencontrés justement sur Stockmanville, sur un entraînement qu'on faisait à l'époque en Angleterre, où on avait fait un échange, où j'ai retrouvé Patricia Bicot à l'époque, que j'ai battue, qui m'avait donné sa première médaille sur un circuit national, où on avait justement cet échange-là. Donc c'est moi qui lui ai donné ma médaille. Comme quoi, elle m'avait bien encouragé à continuer. Donc c'est un petit peu ces échanges-là, et des fois, c'est un petit peu à l'accroche. J'ai été perdue pour la boxe, mais gagnée en escrime. Comme quoi. Et puis les sports de position, où j'ai toujours des personnes qui me disent « Avec ton handicap, c'est pas possible. » Mais on fait avec. Donc on croit en nous, et puis on a les personnes aussi qui continuent à croire aussi en nous. Parce que de temps en temps, on arrive aussi en handi, peut-être plus qu'en valide, de dire de temps en temps, on a aussi le fait de retomber régulièrement sur des fêtes, oui je peux, oui je peux pas, j'y arrive pas. Il faut aller par-delà aussi l'handicap, la maladie de temps en temps, où il faut continuer à se battre régulièrement. Rien n'est jamais gagné. Donc on continue. Donc on a aussi tout un échange avec les personnes qui sont toujours autour. Je vais te reprendre. Ce que je voulais revenir sur ce que tu disais. Aujourd'hui, même si on veut faire du sport et quand on est en situation de handicap, on voit que c'est pas forcément ça. Donc Stéphanie, elle a bousculé les barrières. Et parfois, on peut avoir le sentiment que c'est pas fait pour nous. Du coup, si je peux passer un message aujourd'hui, c'est le parasport, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde parce que les images qu'on voit souvent, nous, c'est les Jeux paralympiques, c'est un gars dans un fauteuil qui fait des trucs incroyables, un gars dans un fauteuil qui roule plus vite que les marathoniens, un gars qui a une prothèse et qui saute à 8 mètres, et on se dit, bah oula, moi je suis loin de tout ça et je veux pas faire de parasport. Mais non, le parasport c'est pour tout le monde, il n'y a pas de handicap minimum, il n'y a pas de handicap interdit, il n'y a pas je suis pas assez handicapé, je suis trop handicapé, non, il y en a vraiment pour tout le monde. Je vais nuancer en disant que tout le monde ne peut pas tout faire, bien entendu, en fonction de ses capacités, mais il y a toujours une pratique sportive qui existe et qui peut s'adapter à votre pathologie. Et ça, c'est important de le comprendre, parce que je pense que c'est une des limites aussi et un des freins au développement du parasport, c'est que parfois, on ne sait pas ce qui existe et on pense qu'on n'est pas capable d'eux. Et je pense que Stéphanie, si aujourd'hui elle en est là, c'est parce qu'elle a combattu ça, elle s'est dit, pas grave, moi j'y vais et je vais enfoncer les portes. Et même si c'est un mur, c'est pas grave, je vais taper dedans et il va tomber. Et elle a réussi comme ça. Alors aujourd'hui, Stéphanie fait de la compétition, et c'est pas le cas de tout le monde, hein, il faut pas croire, hein, c'est un petit pourcentage de personnes qui font de la compétition, mais il faut y aller, et il faut croire en soi, et on est capable de faire tout le monde est capable de faire une activité physique. Je vais rebondir sur un autre concept que t'as pas abordé, mais par rapport à la compétition, qui est le concept de classification. Parce que du coup, là, je vous dis, le parasport, c'est pour tout le monde. Mais en fait, j'ai un petit peu menti. c'est pour tout le monde en loisir. Tout le monde peut faire du sport. Mais quand on veut arriver dans le système compétitif, c'est plus pour tout le monde. Le système de classification, il repose sur un pilier, c'est essayer de favoriser l'équité sportive. Vous avez bien conscience qu'il y a plein de types de handicaps différents, il y a plein de pathologies différentes, qui ont des capacités différentes et qui peuvent faire des choses différentes. Et si on prend Stéphanie sur un 100 mètres, et si on prend
Marie-Amélie Le Fur, qui est une sportive amputée sur un 100 mètres, vous êtes bien d'accord qu'on ne peut pas comparer leurs performances. Stéphanie en fauteuil, qui court debout avec une lame qui vous propulse. Donc il a fallu trouver des catégories. Et donc ce système de classification, il est là pour ça. Il est critiquable. On peut en discuter après si vous voulez. Il se base en fait sur des capacités fonctionnelles et sur des pathologies. Donc c'est assez complexe, donc c'est des tests médicaux qui sont faits, des tests kinés qui sont faits, et du coup on détermine une classe pour le sportif. Et donc du coup le sportif est censé rencontrer des gens qui ont plus ou moins les mêmes capacités que lui. Bien sûr c'est plus ou moins. Forcément vous avez ceux qui vont être en haut, et ceux qui vont être en bas. Ceux qui vont être en bas vont devoir faire un petit peu plus pour gagner. Mais ça, l'idée, c'est vraiment d'être sur l'équité. Donc, c'est un petit peu la limite pour pondérer ce que je disais tout à l'heure, où le parasport, c'est pour tout le monde. J'insiste sur ce côté-là. Mais la compétition, malheureusement, on ne peut pas forcément s'adresser à tout le monde. Parce qu'il y a aussi cette notion de handicap minimum, où à un moment donné, ça peut être dur à entendre, mais on va vous dire, bah non, monsieur, vous n'êtes pas assez handicapé, vous ne pouvez pas faire de compétition parce que votre handicap n'est pas assez fort. Parfois, ça peut être un peu compliqué, ce n'est pas le cas dans toutes les disciplines, mais ça peut arriver. Je sais pas si, bah, du coup, peut-être donner ton expérience sur la classification aussi, en tant que sportive. Parce que chez nous, ça arrive régulièrement aussi qu'on a des personnes qui sont reconnues donc, en situation de handicap. Donc, on a souvent en référence la NDPH, qui font qu'ils ont un traitement, qu'ils ont une maladie. Qui ont souvent, en fait, un handicap, en fait. Ils sont souvent en fait reconnus en situation de handicap, mais au niveau sportif et au niveau surtout compétition, ben on a des fois une limite où ils sont à la limite haute, donc ils ne sont pas assez en situation de handicap pour pouvoir participer. Donc on s'entraîne des fois souvent avec eux, on les a souvent partenaires d'entraînement, mais malheureusement au niveau compétition, on ne peut pas toujours les avoir en compétition. On a eu le cas... dernièrement avec M. Vincent Leroux-Lefebvre, qui est un excellent partenaire d'entraînement, mais qui est reconnu réellement en situation de handicap pour la compétition uniquement en France. Il ne sera pas reconnu en international parce qu'il a un handicap minimum. Donc c'est aussi compliqué, parce que dans sa vie de tous les jours, il vit son handicap, réellement. Et puis c'est vrai qu'au niveau même handicap dans les classifications, des fois, oui, on a des handicaps hauts, des handicaps bas. C'est vrai que moi, je suis reconnu en escrime, en classification catégorie B, donc sans équilibre du tronc. Donc, au niveau abdominaux, c'est des fois compliqué. Et on a des personnes qui sont des fois à la limite haute, donc de temps en temps, qui bougent bien. Donc, il faut aller les chercher. Donc, chez nous, en France, en escrime, en tout cas, on a chez les femmes, on a plutôt des vrais B, comme on dit, vraiment sans abdominaux. Donc, on a de temps en temps d'autres personnes dans d'autres pays qui sont classées un petit peu plus haut. Donc, il faut aller vraiment les chercher. Donc, on va travailler sur autre chose. Peut-être moins de mouvements, moins de déplacements au niveau physique, mais on va travailler autre chose. On va travailler la technique, on va travailler le travail de pointe, le travail, en fait, on va aller chercher autre chose. On peut être très fort en France sur d'autres choses. Et on va travailler nos forces plutôt que de travailler sur des faiblesses, sur des fois du physique. Ça peut être un peu comme le judo, travailler sur réellement peut-être la force de l'autre. De faire venir, travailler sur le sang-froid, travailler sur quelque chose qu'on maîtrise bien aussi, mais qu'on pense peut-être moins maîtriser. Mais on s'en sort quand même. On a des bons résultats en France à ce niveau-là. Donc, mais c'est vrai que les classifications sont toujours un peu... on stresse toujours un petit peu. Et puis par rapport aussi à l'évolution de la pathologie, puisque moi, c'est une pathologie qui évolue souvent en général défavorablement. Mais quand on adapte un petit peu des choses, comme par exemple le problème des fois d'orthèse qui permet de faciliter certaines compétitions, ben, quand il faut reclassifier, ben, on a toujours un petit peu, soit on descend un petit peu dans les classifications, soit on est limite, moi j'étais limite passé B, voire catégorie C, donc avec une main qui était un peu abîmée sur le côté de maintien, qui m'aurait fait passer peut-être en catégorie C. Catégorie C, ben, on oublie les jeux. Parce que trop handicapé. Donc on n'a pas d'handicap trop lourd. Il faut vraiment être entre les deux et se dire bah, il faut des fois se battre aussi pour rester dans la catégorie quand on a un projet sportif. Donc on a aussi le problème de dire
je vous prouve que je peux le faire, que je peux me maintenir, que je peux... on travaille aussi sur ça. On travaille sur le physique, on travaille sur... c'est une manière, en tout sport, qu'on soit valide ou handicapé, dès qu'on a un petit peu du haut niveau, il faut de temps en temps un peu se faire mal, un peu. Et ça permet aussi, quand on a une pathologie qui évolue souvent défavorablement, de conserver aussi un équilibre, autant mental que physique. Il y a longtemps qu'on nous a dit, moi par rapport à l'évolution, c'était un fauteuil électrique avant 40 ans avec un système de maintien qu'avec le haut du corps qui bouge. Et encore le très haut du corps. Donc j'ai toujours pas de fauteuil électrique et je fais toujours la compétition. Donc pour l'instant, les médecins ont toujours tort. Donc on continue comme ça, on évolue. Tu me redonnes la main, c'est ça? C'est ça. J'ai bien compris. Ok, merci. Une autre petite notion qui me semble importante avant vraiment qu'on parle peut-être de plus du côté matériel et technologique sur les parasports. S'il y a un maître mot dans ce domaine-là et un mot-clé, c'est l'adaptation. Comment proposer une activité sportive à toutes ces personnes-là qui ont des caractéristiques différentes? Il y a une seule notion qui me paraît importante en préambule, c'est de se dire aujourd'hui, pour pouvoir faire ça et proposer un parasport à tout le monde, il faut changer et sortir de la vision qu'on a tous du handicap. Aujourd'hui, moi, mon expérience, déjà j'essaye le moins possible d'utiliser ce mot handicap parce que finalement, il ne veut pas dire grand-chose pour moi. Et en tout cas, en tant qu'entraîneur, il n'apporte rien. Il faut voir les capacités fonctionnelles de la personne. C'est-à-dire que le handicap, il va vous donner peut-être une pathologie, et encore. On va dire, je ne sais pas, ton handicap, c'est la maladie des os de verre. Et finalement, qu'est-ce que ça m'apporte, moi, si demain je veux proposer une activité à Stéphanie? Pas grand-chose. Donc l'idée, c'est vraiment de raisonner comme ça et de se dire, bah, moi, je ne vois pas un sportif handicapé, moi, je vois une personne qui a des capacités. Et en fait, finalement, si on pousse le truc un petit peu plus loin... C'est ce que tout le monde fait, que tout entraîneur fait. Je ne fais pas, je ne sais pas, peut-être que Sébastien pourrait aussi en parler, hein, je ne fais pas la même chose avec tout le monde. C'est pas parce que j'ai réussi ou avec une personne en faisant de telle ou telle manière que si je refais la même chose avec un sportif valide, je vais réussir. Et avec le mouvement dit, c'est encore pire. C'est-à-dire que je cherche cette capacité, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il est capable de faire encore aujourd'hui, et j'adapte. Que j'adapte comment? Je peux adapter parce qu'à un moment donné... il faut que j'ai une pédagogie un petit peu différente parce qu'il a du mal à se concentrer, parce qu'il a des troubles mentaux, des troubles du comportement, etc. Et je m'adapte. J'ai réduit mes consignes, j'ai réduit les séances d'entraînement, peu importe. Je peux m'adapter sur le plan pédagogique. Je peux aussi adapter mon activité sur le plan réglementaire. Et ça se fait tout le temps. Aujourd'hui, l'escrime, alors je ne suis pas pointu sur le règlement de l'escrime valide et rendu, mais donc, je ne vais pas m'aventurer dans ce sport-là. Je vais prendre le basket, que je connais mieux et qui est plus simple. On va adapter les règles, mais on va essayer d'adapter les règles de manière assez raisonnable. Le but, c'est pas de changer l'activité et qu'elle ne ressemble plus à l'activité initiale. Donc, par exemple, au basket, on utilise le même panier, la même hauteur de panier, on utilise le même terrain, on va utiliser un fauteuil, parce que forcément, c'est plus compliqué. Et on va juste uniquement autoriser la reprise de dribble. Par contre, le marché existe aussi, j'ai le droit à deux poussées. Donc, on va adapter chaque petite partie du règlement qui va permettre à l'activité de se dérouler de la meilleure manière, et donner les conditions de pratique idéales pour que la personne puisse pratiquer de cette activité-là. Et puis après, on peut adapter la technique. Forcément, on va prendre le cas d'escrime, parce qu'on a une escrimeuse aujourd'hui, donc on va essayer de faire ça. Si vous voyez Stéphanie en train de tirer, et si vous voyez un sportif valide, ça n'a rien à voir. Elle est fixe, elle ne bouge pas. Donc déjà, il n'y a pas de travail au niveau des jambes. Donc forcément, on a adapté la technique de Stéphanie, donc au niveau du bras, à peu près pareil, il y a sûrement des petites variations, mais forcément la technique escrime n'est pas du tout la même. Si vous prenez, je sais pas moi, on a l'exemple d'un, je sais pas si vous avez déjà vu, d'un joueur égyptien qui joue au tennis de table avec la raquette dans la bouche, il a plus de bras. À un moment donné, en tant qu'entraîneur de tennis de table, jamais il y en a un qui va se dire, ah, je vais faire jouer mon gars avec la bouche parce que c'est top. Non, ça n'existe pas, mais là j'ai pas le choix. Donc du coup, je réfléchis comment je peux faire. Et bien, il joue avec la bouche, et regardez, vous tapez sur YouTube, ce joueur égyptien de tennis de table en e-sport, vous allez voir, il est juste incroyable. Mais il joue vraiment, il joue le feu. Moi, je pense que je ne mets pas beaucoup de points contre lui. Et bien, c'est juste, voilà, on réadapte la pratique,
il y a des capacités qui ne sont plus là et on essaie de trouver des solutions. Après, il y a l'adaptation humaine. Parfois, on est obligé d'adapter avec une composante humaine. L'exemple qui est le plus parlant, c'est peut-être l'athlète qui court avec un guide. Voilà. Malheureusement, j'ai pas la vision nécessaire pour pouvoir courir tout seul. Je suis peut-être capable de courir droit, mais si je pars sur un marathon, si je pars sur un 400 mètres ou un 800 mètres, j'ai besoin d'un guide. Donc du coup, on va rajouter une adaptation humaine qui va permettre de rendre accessible l'activité. On peut aussi avoir des adaptations humaines sur d'autres sports qui sont moins connus, comme la boccia. Alors, je vais dire boccia, et là, tout le monde va dire, mais lui parle encore avec des mots qu'on ne comprend pas. La boccia, c'est une forme de pétanque, pour être simple. Et vous avez des joueurs qui ne peuvent pas lancer la balle. Je reviendrai après sur l'adaptation matérielle. Mais donc du coup, pour ne pas lancer la balle, on leur donne du matériel spécifique et on a un assistant de jeu qui va, entre guillemets, être ses bras. C'est le joueur qui va tout diriger, mais il y a un assistant de jeu qui est là et qui n'influence pas sur le jeu, parce qu'il y a un côté stratégique dans la boccia, hein, comme à la pétanque, je vise, je me rapproche, je tire, je pointe, etc. Lui n'influence pas, parce qu'il ne voit pas le jeu, mais par contre, il obéit au doigt et à l'œil, si je peux dire, de l'athlète. Après, l'adaptation la plus connue et ce qu'on voit le plus, alors c'est notamment dans les pratiques handisport, donc avec le handicap physique, c'est le matériel. Et là, effectivement, il y a une grosse adaptation sur le matériel, avec des évolutions. Avant, on faisait du basket fauteuil avec un fauteuil de ville, donc avec celui comme Stéphanie. Tu disais tout à l'heure, tu as commencé l'escrime pareil, sur des choses qui ressemblent à rien, ce qui est utilisé aujourd'hui. Donc, effectivement, on va essayer de réadapter le matériel en fonction du type de handicap, que ce soit le fauteuil, que ce soit la prothèse, ça peut être une coque, ça peut être l'exemple du ski, où en fait le ski, vous avez une forme de coque, comme un fauteuil sans roue, et en dessous, vous mettez un ski. Donc, voilà, on cherche en fait à chaque fois à adapter et à trouver la solution. Alors souvent, ça passe par du bricolage, encore beaucoup, d'ailleurs beaucoup trop. Il y a aussi un manque de financement aussi par rapport à ça, parce que ça coûte très cher. Ça coûte très très cher. Ces adaptations coûtent très cher. En plus de les avoir imaginées, elles coûtent encore très cher. Et puis pour un petit nombre de personnes, oui. C'est ça le problème. C'est que c'est pas de la grande distribution. Décathlon s'est lancé dans le marché du fauteuil de sport. Et c'est très récent, mais ils se sont lancés dedans. Bon, ça coûte encore 2000 euros. Donc si je veux faire du basket, j'achète une paire de chaussures, ça va me coûter 30 euros. Si je veux faire du basket, j'achète un fauteuil à 2000 euros. Pas ce même pied d'égalité. Donc voilà, le matériel est quand même au cœur du sujet et c'est là où aujourd'hui, bah, tu dis, on est en retard, c'est compliqué. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de tendre, et c'est une des grosses missions du sport français et de l'ensemble des acteurs du sport aujourd'hui pour réussir les Jeux, c'est sur les athlètes paralympiques, c'est ce matériel-là. Donc, t'as sûrement Nous, déjà, en escrime, on a déjà du matériel qui est assez coûteux, déjà pour la pratique de l'escrime. Mais en plus, quand on rajoute en fait un fauteuil, nous, la pratique, il faut en plus un fauteuil. C'est vrai qu'un tireur valide n'a pas cette problématique-là, qui en plus évolue de petit à petit, puisque maintenant, il nous faut une plaque transparente, parce qu'on commence à avoir aussi du physique, qui permet aussi au juge de voir aussi si ça bouge, si ça bouge pas, dans quelles conditions on peut bouger. Donc à chaque fois, il faut réinvestir, il faut réadapter. Et en même temps, on voit qu'avant, on avait à peu près tous le même fauteuil. Maintenant, suivant l'handicap, il évolue. Il accompagne vraiment. On a un couple maintenant au niveau sportif. Actuellement, on est suivi par des sportifs, par exemple, nous, sur l'INSEP, sur Paraperf, qui évolue vraiment sur un couple athlète et fauteuil, où on fait vraiment corps avec le matériel et le matériel nous accompagne. Donc il faut qu'il arrive à suivre. Par un moment, on était souvent blessés par notre matériel, pour au niveau de la pratique, parce que on avait les fauteuils classiques et il fallait faire avec. Tout simplement parce que c'était comme ça, on avait des règles. Maintenant, en suivant toujours les règles pour en fait être adapté au plus, pour un petit peu que le sport soit bien pour tout le monde, on part d'un même pied d'égalité. Néanmoins, dans ce cadre-là, on peut évoluer.
et donc faire adapter, éviter de se blesser. J'ai souvent une collègue qui se blesse quand elle va se fendre, par exemple, parce que son fauteuil n'est pas adapté par rapport à son handicap. Mais c'est compliqué de faire quasiment du cas par cas. Ça coûte très cher et c'est aussi dans les mêmes catégories, dans les mêmes armes qu'on peut avoir, parce que nous, en escrime, on pratique deux armes. On ne travaille pas tout à fait de la même manière sur les deux armes. Néanmoins, on doit adapter quand même par rapport à notre handicap. Et on évolue énormément et on performance beaucoup plus sur quelque chose qui est adapté. Donc déjà, on se blesse moins. On a maintenant des personnes qui ont des corsets pour rester droit, parce que souvent, sans abdominaux, on s'effondre un petit peu. On a les choses, mais souvent, les corsets nous blessent. Donc on a beaucoup de choses maintenant que les adaptations nous permettent de mettre en place. On a des orthèses. Moi, je travaille souvent avec des orthèses. Je travaille souvent avec des choses qu'on met en place. Mais le fauteuil est encore quelque chose qu'il faut réellement réadapter. Moi, je sais que je suis courte au niveau des jambes, il faut mettre une réhausse, il faut mettre des choses, mais c'est vraiment du sur-mesure. Et c'est même des fois en fonction de ce qu'on nous demande par rapport aux entraînements. On va réadapter pour une personne valide sa façon de courir, sa façon de s'entraîner. C'est mis en place sur... on va changer sa façon de courir, on va changer un petit peu ses paires de basket, mais qui est à 30-40 euros pour... Nous, dès que ça va changer un peu, ça va être 1 000, 2 000, 3 000 euros pour un changement. Parce que c'est un petit nombre et c'est aussi très spécifique à une personne. L'adaptation ne conviendra pas à une de mes collègues qui pratique le même sport et la même arme que moi. Parce qu'on n'a pas la même façon d'adapter réellement. Peut-être pas le même handicap déjà. Et malgré ce qu'on a, on peut être dans la même catégorie d'handicap, avoir un handicap différent. Pourtant, on est dans le même, mais on peut avoir une personne qui a eu un accident de voiture avec une personne qui a été vraiment très handicapée, avec une personne avec une évolution qui peut être une sclérose en plaques ou une maladie de verre qui vraiment va être défavorable et qu'il faudra réadapter très régulièrement. Donc, si on veut monter des fois en performance d'un côté et en même temps, on a l'handicap qui nous suit aussi et qui, elle, redescend toujours en haut. Donc, il faut toujours réadapter. Et c'est comme tout, c'est l'entraînement. Dès qu'on va arrêter l'entraînement, on descend. Donc, si on veut toujours être... il faut que les performances et que les adaptations puissent continuer de nous suivre malgré l'handicap, malgré... en temps normal, ça nous suit par rapport aux performances et par rapport à l'évolution technique qu'on met dedans pour travailler. Et nous, il faut aussi que ça nous suive par rapport des fois aux aléas. On peut avoir des poussées d'handicap, je pense beaucoup aux sclérose en plaques par rapport à ça, où il y a des moments où ils sont bien, des moments où ils sont moins bien. Ben, il faut que ça suive. Parce que ça peut arriver en entraînement, on va gérer un peu de pailler, ça peut arriver en compétition, où là, quoi qu'il arrive, il va falloir que ça passe. Donc, il faut faire avec. Et ça, on prévoit. On prévoit qu'un jour, l'orthèse peut fonctionner, on prévoit qu'un jour, elle ne fonctionnera pas, parce qu'on n'en aura pas besoin. Mais il faut prévoir en fait ce problème-là. Adapté, c'est mis en place, et ce système-là, on a encore des personnes, on invente encore des personnes qui sont pas kinés, pas ergo, mais ce système-là, on ne l'a pas encore. On a eu beaucoup des présidents de clubs, on a eu beaucoup d'éducateurs, on a eu beaucoup de personnes qui ont improvisé un petit peu du matériel pour permettre en fait... On a encore beaucoup de mousse, on a encore beaucoup de vraiment des sangles et des ceintures de sécurité qui permettent de pratiquer pour beaucoup. Maintenant, on a un petit peu quand même des personnes, des professionnels qui s'y en intéressent. Et on a encore des personnes maintenant, des médecins du sport qui se sont formés un peu. Avant, on avait beaucoup le médical d'un côté et puis la situation sportive de l'autre. Et c'était deux mondes, ils se rencontraient pas. Médecin, c'était dans ta pathologie, tu peux pas faire. Il n'y a pas d'adaptation. Maintenant, ils ont vu que le sport handicap permet aussi d'évoluer favorablement sur des fois des pathologies. Et ils sont intéressés. Donc petit à petit, au niveau médical, ils commencent à nous suivre un peu. Se dire, oui, en fin de compte, ça peut être aussi un remède. Ça peut être... le parasport peut être aussi, en fait, aussi efficace que moi en tant que médecin. Ça peut évoluer sur favorablement autant mentalement, donc retarder une pathologie, et puis maintenir des capacités physiques qu'on a tendance à ne rien faire.
ça permet aussi de souvent au niveau professionnel ben, de gérer suite à aussi des suivis sportifs qu'on n'avait pas en temps normal au niveau handicap, d'avoir aussi ce couple de mis en place sportif et professionnel, puisqu'avant on ne l'avait pas, et maintenant on est en train, avec la maison de la performance, avec toutes les personnes aussi autour, d'avoir cet accompagnement. Et c'est ce qui a permis aussi d'évoluer. Là, on évolue beaucoup. On a beaucoup plus maintenant de relations un petit peu entre les personnes. On a aussi beaucoup de valides qui viennent aussi s'entraîner avec nous, ce qu'on n'avait pas avant. On a beaucoup de tournois qui s'ouvrent entre les valides et puis les personnes en situation de handicap. Et le but du jeu, justement, qu'on évolue au moins possible sur les règles d'origine valide, c'est qu'ils s'y retrouvent vite à pouvoir s'entraîner avec nous. Et puis qu'ils en aient aussi des plaisirs et de temps en temps, les sportifs, et de plus en plus maintenant, sportifs en situation de handicap, arrivent à battre les valides. Même de temps en temps, quelques hauts niveaux. Donc le but du jeu, c'est qu'ils gardent aussi, ils essayent de garder leur titre. Se dire, mais ils sont en train maintenant de se faire un peu battre par des personnes handicapées. Nous, on en joue aussi de temps en temps. Je dis, t'as quand même pas de faire battre par une personne en situation de handicap et une fille en plus. Il faut pas pousser quand même. J'ai dit, tu commences à descendre bien bas. Donc c'est un peu aussi, c'est aussi un petit peu un jeu. Nous, ça nous permet de se dire, ben, je l'ai battu la dernière fois, donc soyez en forme ou pas en forme, je m'en fiche à ce niveau-là. Et puis se dire, c'est une personne handicapée, soit je reconnais qu'en fin de compte, soit c'est un bon sportif et qu'il me bat régulièrement parce qu'il a les mêmes capacités que moi, en fin de compte, au niveau technique, soit j'ai bien descendu à mon niveau. Mais en général, c'est le contraire. Hein. Ils reconnaissent qu'on commence à être un bon sportif, en fait. Et de temps en temps, on commence à... Parce qu'on a dû se battre un petit peu, puis on continue à le faire, pour arriver à avoir les mêmes capacités. Et c'est vrai que quand on a encore les systèmes un petit peu des sportifs valides, des sportifs handis, on a encore un peu de travail à faire, parce que tout ce qui est évolution technique, tout ce qui peut être évolution... L'accompagnement humain n'est pas encore financé. Les déplacements, des fois, sont ensuite problématiques aussi. Pour se garer, hein, ne serait-ce que venir ici, c'est déjà compliqué. Tout n'est pas accessible. Nous, quand on s'en va sur une compétition avec les deux fauteuils, j'ai mon fauteuil de ville, j'ai mon fauteuil d'escrime, j'ai une housse de 40 kilos, j'ai souvent aussi un sac médical de l'autre côté, j'ai une valise. En général, si on essaye de prendre un taxi, ça devient compliqué. Et quand on prend le train, si on prend le train par chez nous, se dire « et vous voyagez seul ?» Oui. Et il me dit « vous avez deux fauteuils ?» Je dis « ouais, c'est au cas où j'en ai un qui tombe en panne. » En général, un sportif valide, c'est plus j'ai ma paire de baskets et l'autre, elle tient dans le sac. Chez nous, on a un fauteuil qui ne se plie pas, qui est un peu plus, on est un peu plus volumineux. Eh ben, on en joue aussi. Au moins, ça permet de voir que les autres personnes ils veulent essayer de nous aider, essayent de comprendre un peu ce qu'on fait. Et puis, ça permet un petit peu de discuter et d'échanger. Mais c'est vrai que c'est encore, y a encore du travail à faire. À ce niveau-là, c'est pas évident. Dans le monde valide aussi, vous avez une chose, pour avoir été dans les deux, puisque j'ai été entraîneur des équipes de France valide et aujourd'hui entraîneur de l'équipe de France en e-sport. J'emploie en e-sport parce que moi, ça me choque pas, parce que ça reste comme ça et je fais partie de la fédé en e-sport. C'est logique. Mais vous avez une chose de plus que, moi je le dis clairement et je l'ai toujours dit, c'est la détermination. Je trouve que vous êtes très au-dessus des sportifs valides pour les avoir entraînés aussi. Et moi j'ai eu la chance d'arriver chez vous en 2019-2020, juste avant les Jeux de Tokyo. Et moi c'est ce qui m'a marqué le plus. C'est justement cette envie de vouloir absolument s'entraîner. Toujours demandeur. Donc, quand je vois. On était en stage la semaine dernière, on prépare les championnats d'Europe. Pour avoir fait pas mal de stages avec les valides pour préparer les championnats du monde, je pense qu'aucun d'entre eux n'aurait supporté la charge de travail qu'on peut vous faire supporter sur une semaine. Vous ne râlez pas quand l'hôtel n'est pas terrible, ça c'est aussi quelque chose, c'est un plus. Vous vous déplacez par vos propres moyens et on vous dit d'aller d'un point A à un point B, on vous donne juste un horaire et vous êtes à l'heure. Donc pour moi, voilà, c'est un réel confort. Et je le dis hein, honnêtement, et vraiment par expérience, parce que j'ai entraîné pendant 15 ans les valides.
Bah, c'est un réel confort d'avoir des athlètes qui se donnent les moyens d'eux. Et alors, c'est vrai que moi, ce qui m'a marqué quand je suis arrivé, c'était un petit peu ce manque de professionnalisme, entre guillemets, parce que à chaque fois, c'était le matériel, moi, ça m'a hyper marqué, parce que ne venant pas du monde handisport, arrivant là, j'ai tout de suite constaté qu'il y avait des soucis sur l'adaptabilité, l'adaptation du matériel. Et j'ai souvent râlé là-dessus, parce que je trouvais que c'était pas du tout adapté par rapport aux pathologies, par rapport à l'escrime. Donc on a fait intervenir un certain nombre de personnes. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une agence nationale du sport qui a mis en place des choses et qui nous donne des moyens avec Paraperf. On travaille avec Airbus, il faut le savoir, qui interviennent sur les fauteuils. Parce que, comme vous l'entendez souvent, hein, c'est les petits détails qui font les médailles. Donc voilà, on a cette possibilité-là aujourd'hui de vraiment intervenir là-dessus. Je pense que les athlètes en ont pris conscience. Ils s'entraînent comme tout le monde, dans tous les domaines. La prépa physique, la prépa mentale. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont des athlètes de haut niveau. Et ça, je pense que c'est un petit peu ce manque de considération qu'on peut ressentir de temps en temps. Mais en tout cas, moi, quand je suis arrivé, ça a été clair avec eux. Je leur ai dit, la première chose que je leur ai dit, je dis, moi, je vous aide des athlètes de haut niveau. Effectivement, avec vos contraintes, mais comme tu l'as dit, hein, Pierre, on s'adapte. Et c'est ce qui est passionnant dans notre métier, justement, c'est de pouvoir s'adapter aux possibilités, je dis bien aux possibilités de nos athlètes. Donc voilà, c'est un plaisir d'entraîner cette équipe, en tout cas. Si je devais dire quelque chose, ça serait ça. Et j'ai aussi une dernière chose, si je peux me permettre. Parce qu'on parle de handicap et on est beaucoup axé sur le handicap physique. Alors moi, j'ai aussi cette chance parce que, d'avoir été chez les Valides, d'entraîner au niveau handisport, mais j'ai aussi un fils qui est aujourd'hui sur le sport adapté. Donc je connais bien aussi ça. J'entraîne tous les samedis un certain nombre d'enfants qui sont atteints d'autisme. Donc là aussi, je pense qu'aujourd'hui, on est... je sais qu'il y a un médecin qui est venu nous voir, ça intéresse beaucoup de monde parce qu'on se rend compte que le sport aussi peut faire évoluer favorablement des enfants qui sont atteints d'autisme ou du spectre autistique. Vous savez que maintenant aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, moi ça fait 7-8 ans que j'interviens là-dessus et je trouve qu'on arrive à faire des choses merveilleuses avec ces enfants. C'est pas forcément, ça sera pas une pratique de haut niveau, entendons bien, mais au moins ils découvrent une activité, ils font une activité et ils se socialisent aussi avec d'autres enfants, et ça je trouve ça bien aussi. Il faut pas les oublier aussi, parce que je pense que le sport adapté aujourd'hui aussi a besoin, aussi besoin de se développer, parce que très peu reconnu aussi, et il y a ça fait partie aussi des sports que l'on retrouve aux Jeux Paralympiques dans certains domaines, et on a la chance d'avoir aussi un athlète de très haut niveau ici à Reims, en tennis de table, avec Lucas Créange, qui a été médaillé au dernier jeu de Tokyo. Et pour finir, et après je vous laisse, c'est juste que moi j'ai eu la chance de participer aux Jeux de Tokyo, aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Ça a été une découverte pour moi, et vraiment j'ai découvert un monde, c'était exceptionnel. Voilà, donc et j'espère qu'on va à Paris, ça sera tout aussi exceptionnel. Tokyo, malheureusement, il n'y avait pas de possibilité d'avoir du monde, du public, mais je pense que aujourd'hui la reconnaissance du parasport, elle doit passer aussi par nos résultats et puis par le fait que on va briller aux Jeux de Paris. Voilà. Bien, écoutez, je me présente parce qu'apparemment on n'attendait plus que moi. Je suis vraiment désolé de ce contretemps. Donc voilà, donc je m'appelle Jean-Michel Clément et je suis donc prothésiste, je suis orthopédiste, orthésiste, podo. Et j'ai la chance, si on peut dire ça comme ça, de m'occuper de Stéphanie. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui est venu me voir à mon cabinet, puisque je suis installé sur Nancy. Et pour vous donner un petit peu la petite histoire, elle est venue en kinésithérapie dans notre cabinet. Et puis de là, mes collègues kinés m'ont demandé si je pouvais la voir pour faire un petit appareillage, parce qu'elle avait un petit souci. Et puis, on a dit, oui, pourquoi pas, parce que ça fait des années et des années que je fais de l'appareillage, que je m'occupe de personnes qui ont besoin de prothèses ou d'appareillage, on va dire. Et puis, c'était un challenge. Je me suis dit, pourquoi pas. C'est vrai que personnes handicapées, j'en côtoie tous les jours, on les voit.
mais on ne fait pas non plus toujours ce qu'il faut aussi peut-être pour eux. Et puis là, c'était vraiment un challenge parce que comme c'est quelqu'un qui est sportif de haut niveau, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de faire quelque chose, quoi. Puisqu'à vrai qu'en discutant depuis plusieurs jours, en se voyant, en discutant, on essayait de voir un petit peu ce qu'on pouvait faire. Et puis après, bah, elle m'a dit, bah, voilà, j'aimerais bien qu'on fasse ça, qu'on fasse ça. Et puis c'est de là qu'est venue l'idée de faire ce qu'elle vous a peut-être montré. Pas encore. Pas encore. J'attendais que tu arrives. Ah d'accord. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre tout de suite. On voit des appareillages un peu particuliers, mais bon, je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des orthèses tranquilles, ce sont des orthèses statiques, on va dire, qu'on pourrait avoir pour toute personne lambda. D'accord. Mais là, elle m'a posé vraiment, on va dire... oui, un challenge. Et moi, je suis complètement cinglé, je suis désolé de le dire. Plus c'est compliqué, et ça, c'est depuis que je suis gamin, et depuis que je suis à l'école, plus c'est compliqué, plus je vais y aller. Si c'est quelque chose de très très simple, franchement, ça me prend la tête, j'en ai rien à foutre. Il faut faire une petite orthèse pour une rhizarthrose, j'en fais tous les jours. Parce que, bon, j'ai mon cabinet là où vient me voir Stéphanie, et j'ai un deuxième cabinet où je suis en chirurgie de la main sur Nancy, où je fais vraiment tout l'appareillage de tout ce qui est après, comment dire, voilà, tout ce qui est de chirurgie, si vous voulez, et tout et tout. Donc, je fais que ça toute la journée, donc c'est vraiment très intéressant. Mais là, c'était vraiment plus intéressant parce que c'était, il faudrait me faire quelque chose, et puis, mais il faut que je... Alors, quand on fait une orthèse, je vous dis tout de suite, c'est pour se mettre au repos. Vous savez ce que ça veut dire, le repos? Je lui ai dit, c'est pas trop elle, hein. Le repos. Elle m'a regardé avec un grand sourire, d'un air de dire, je crois que tu t'es planté. Et j'ai dit, oui, mais c'est quand même des trucs de repos, c'est, il faut faire attention. Et puis là, elle m'a dit, ben non, c'est, voilà, je fais de l'escrime, je suis, oui, je sais bien, je me retrouve en fauteuil, oui, ok. Mais je veux continuer à faire. Ouais. J'ai de la ferraille dans les mains, mais je continue quand même. Voilà. Alors, et puis, au fur et à mesure qu'on s'est rencontrés, j'ai des nouvelles choses qui se rajoutent. Et puis, je dis, bon, bah, ok, c'est bien, mais bon, on va se revoir, on va se donner rendez-vous. Et puis, on va essayer de faire quelque chose. Alors, je lui dis, bon, bah, c'est bien, on va se reprendre, on va se revoir. Mais je voudrais que tu viennes avec tes fleurets, ton épée, enfin, ce que je connais pas trop ce truc-là. Je voyais, si vous voulez, à la télévision, les gens, et je les côtoyais un petit peu pour certains, mais pas les handicapés. Mais je les voyais différemment, si vous voulez. Et puis là, elle m'amène tout ça, donc elle arrive en salle d'attente avec ses fleurets, avec ses machins et tout, donc les patients lambda commençaient un petit peu à se poser des questions. Même une partie du fauteuil. Donc, hein? Même une partie du fauteuil et qui arrivait. Oui, en plus, oui. Donc, c'était vraiment un peu bizarre comme truc, comme situation. Donc, mes patients... Oui, un petit peu. Alors, mes patients qui ont l'habitude d'être là... S'ils me loupent, je le tue. Sans commencer à se poser des questions. Puis je dis, vous inquiétez pas, je vais m'amuser avec elle. Et puis, c'est tout. Donc, voilà, quoi. Donc, on a commencé à faire. Elle m'a dit, voilà, il faudrait que ce soit comme ça, parce qu'il faut que ce soit... Je dis, ouais, ok. Et puis c'est vrai qu'en lui donnant le rendez-vous pour dire, ben voilà, on va se voir tel jour, j'avais un petit peu cogité dans ma petite tête en disant, et elle veut absolument que ce soit comme ça, donc il va falloir que je trouve un produit qui soit résistant, parce que je la connais un petit peu. Je connais les gens aussi. Si je fais quand c'est trop fin, ça ne va pas aller, ça ne va pas être. Et puis là, on a commencé à faire, j'ai utilisé un matériau qui est un thermoformable à basse température, qui est très simple. Et puis je dis, on va faire. Et puis, ben, ce qu'il faut, c'est, dès que je te le dirai, dès qu'on a pris la bonne température, on va le mettre directement et tu vas prendre ton fleuret et tu vas faire comme si tu pointais. C'est comme ça qu'on dit, hein, je crois. Ou tirer. Oui, non, tirer. Ou tirer, pardon. Enfin, je me trompe. Hein. Donc, ah, c'est tirer, oui. Mais d'accord, c'est la pétanque, oui. Donc là, c'est vraiment de tirer tout et de faire, bon... Et puis, ben, c'est pour ça qu'on a réussi à faire cette petite orthèse, qui a une particularité, c'est qu'elle est vraiment moulée, si vous voulez, donc elle peut la mettre. Donc là, je sais que... Ça va être un petit peu compliqué, mais bon. Vu que je me suis cassé la main, oui. Oui, voilà. Et donc, elle est positionnée, si vous voulez, donc elle est faite directement
pardon, elle est faite directement sur la main de Stéphanie, et avec en plus deux petits appuis, si vous voulez, où elle peut vraiment maintenir complètement son fleuret dans la position d'attaque. Et c'est ça aussi qui est très important. Alors après, vous allez me dire, c'est très simple à faire, ça va très très vite, ça prend vite, c'est bien. Mais non, mais il y a une particularité, c'est qu'il faut aussi que si elle ne tire pas du côté là, il faut que ça maintienne, il faut que l'autre, elle ait quelque chose aussi, donc on a refait aussi la même chose, mais il faut que ça, ce soit maintenu pour pas que ça bouge. Parce qu'il faut que ce soit validé par les instances médicales, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc il fallait y adjoindre des petites, on va dire, des velcros comme on met d'habitude sur toute orthèse. Ça se fait très simplement. Mais là, il a fallu trouver un petit système pour qu'elle puisse s'accrocher sur son fauteuil. Parce que c'est pas le tout. Elle peut tirer, elle peut faire ce qu'elle veut, mais il faut qu'elle puisse se mouvoir aussi avec l'orthèse. Oui, mais c'est pas évident. Il faut pas non plus en tirer un avantage, aller voilà. Plus loin que ses compétences. Donc il faut vraiment jouer si vous voulez dessus. Alors plus c'était compliqué, plus j'ai trouvé ça sympa. Et puis je me suis amusé à le faire. Et puis ça a donné quand même, je pense, des résultats. On avait essayé avec une première attache qui n'a pas maintenu, qui n'a pas au bout de quoi, 3 semaines, 1 mois à peu près. Le premier stage. Premier stage, oui. Donc. Elle m'a tout pété. C'est pas grave. J'avais acheté un stock d'attaches. Je me suis dit, si elle me les pète, c'est bon, j'en ai plusieurs. Donc on avait essayé un petit peu. C'était pas tout à fait les mêmes clips. Et puis après, on a essayé celui-là. Et puis celui-là, il tient depuis le temps. C'est vrai qu'il est quand même assez résistant. Et puis on continue à se voir régulièrement. Et puis à essayer de trouver des astuces, à essayer de trouver des choses. Alors après, elle est revenue un jour en me disant « Tiens, il faudrait que tu me revoies, parce que je ne sais plus ce qui s'est passé. En vraiment en tirant un petit peu trop, elle a arraché le tout, les velcros étaient arrachés, les rivets étaient partis dans tous les sens. Elle avait vraiment tout fait « destroy », on va dire, comme on dit chez nous et comme le disent les jeunes aujourd'hui. Donc, il a fallu qu'on recommence un petit peu. On n'a pas refait l'orthèse complète. On l'a modifié un tout petit peu, mais c'était surtout les attaches qu'il fallait revoir un petit peu pour pouvoir qu'elle puisse se maintenir sur son fauteuil avec ses petites barres et puis voilà le tout. Quoi. Donc c'est vrai que c'est un challenge pour, j'allais dire, ces personnes. C'est très très intéressant. Et moi, c'est honnêtement, j'aime bien faire ce genre de choses. Quoi. Ça peut vous paraître un peu bizarre, mais c'est... C'est bien. Et alors, ça pose un problème de validation ? Oui. Alors, il y a un problème. Voilà, alors il y a un problème de validation, si vous voulez, puisque tout appareillage qui est, on va dire, ça c'est du thermoformable à basse température, logiquement, dans tout sport de contact, c'est interdit. Pourquoi ? Tout simplement parce que si jamais elle vient par inadvertance ou venir à toucher l'adversaire ou toucher quelqu'un avec ça, elle peut blesser, d'accord ? Donc il a fallu que ce soit validé, donc c'est vrai que c'est ce qu'on avait fait, on a dit bon on va faire ça tranquillement, et puis on verra bien après si ça passe au niveau de la commission médicale, si ça passe... Et puis un jour elle m'appelle et puis dit il faudrait qu'on se voit, donc ok, on se revoit une nouvelle fois. Puis elle me dit, c'est cool, parce que ça a été validé, c'est bien, on peut la mettre, on peut faire et tout. Et donc c'est vraiment maintenant accepté par la commission médicale qui autorise madame à faire ses compétitions avec ces types d'appareillages. Voilà. Et du coup, c'est une exception pour toi ? On en a plusieurs qui ont des appareillages différents. Il y en a qui sont pour le même maintien. D'autres, c'est parce qu'ils ont vraiment une main qui est très atrophiée et ils ne peuvent pas se maintenir. Donc souvent, on adapte autrement. Certains ont des abdos, donc ils arrivent à se maintenir. D'autres, non. Donc on les facilite quand même de manière à pouvoir travailler quand même. Et c'est tous des adaptations complètement différentes. Donc il faut souvent, nous, trouver quelqu'un, un interlocuteur, qui puisse comprendre en fait notre problématique,
de continuer en fait à travailler en sécurité, parce que souvent on va un petit peu des fois plus loin qu'on ne devrait, et puis néanmoins être dans les règles, en sécurité et axé toujours sur la performance. Donc aller sur, il faut que ça nous accompagne, il faut que ça bouge avec nous, et il ne faut pas que ça me fasse mal. Et en même temps, il ne faut pas non plus au niveau des règles que ça m'avantage. Donc c'est, il faut tout un système, on a tout un contexte à ce niveau-là. On a toujours l'équité au niveau des règles. Et en même temps, je veux dépasser en fait mon état de... En fait, je lui ai demandé d'avoir des abdos. On travaille toujours dessus. Mais voilà, le but du jeu, c'est de pouvoir le faire, parce qu'en temps normal, avec une main atrophiée et sans abdominaux, quand on va un petit peu bouger, en général, on finit en bas du fauteuil. On a des systèmes, moi j'ai des sangles sur mon fauteuil, j'ai des systèmes d'orthèse qui me permet en fait de pouvoir mettre la touche sans me casser la binette et sans avoir besoin d'un aidant d'un côté qui va me maintenir pour essayer de me redresser, parce que dans les premiers temps de catégorie, en général, on en avait quelques-uns qui touchaient puis ils finissaient par terre. Se dire, bon, à quel moment il est par terre, à quel moment on valide la touche, est-ce qu'il a donné la touche avant de tomber, oui, bon, alors on a le droit de le ramasser. Mais on finissait un peu comme ça, on finissait un peu en piquant au sol et de se dire, bon, on va le ramasser. Maintenant, on s'en inquiète beaucoup moins, hein, se dire, on regarde, en fait, si la touche est bonne, on va regarder, on va prendre l'image, la touche a été faite avant, bon, on valide. Bon, il n'est pas bleu, on le remonte. Mais c'est un peu ça, se dire, mais on travaille dessus, c'est-à-dire, maintenant, on a des fois des moments où même les catégories sans abdominaux, on se pose la question de savoir s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Mais c'est souvent, déjà d'un côté, il y a l'entraînement. Mais il y a aussi beaucoup le côté du matériel qui nous permet en fait de rester plus droit, de ne pas s'effondrer dans le fauteuil. On a beaucoup de bustiers, on a beaucoup d'orthèses, on a beaucoup de maintien. Même les fauteuils évoluent aussi d'une personne à une autre. On a tous le même genre d'origine d'un fauteuil. Mais il est adapté par rapport à nous. Donc on le voit des fois par rapport à un fauteuil, si c'est une catégorie A, si c'est une catégorie B, si on le voit par rapport à ça. Mais ensuite, la façon de tirer, des fois on peut confondre. Un petit peu moins chez les femmes, en tout cas chez nous en France, mais chez les hommes, des fois on peut confondre un catégorie B, un catégorie avec abdos et sans abdominaux. On confond, oui. Moi j'ai encore du mal à déterminer, mais c'est vrai que la technologie vient de plus en plus dans notre domaine. On a l'exemple d'un bébé aujourd'hui qui est numéro 1 mondial, un anglais, qui aujourd'hui son statut de numéro 1 mondial est uniquement basé sur le fait d'avoir un bustier qui le maintient vraiment très haut en fait, et effectivement qui est fait avec du carbone. Et on a énormément de difficultés parce qu'on essaie là aujourd'hui de lui faire enlever ce bustier et notamment de cette matière carbone, parce qu'on a un souci, on s'en est rendu compte, c'est qu'à chaque fois qu'on touche, enfin sur certaines touches, le fait de rebondir sur le carbone, ça n'allume pas. En fait, donc on a ce souci là, on est en train de se battre là-dessus. Pour vous dire un petit peu les éléments, c'est que tout le monde essaie d'avoir aussi cette petite contrainte et d'avoir aussi cette possibilité technologique. Donc moi, c'est pour ça que depuis un certain temps, je fais passer certains B, catégorie B, avec des bustiers aussi, pour pouvoir combattre aussi avec les mêmes possibilités, quoi. Et c'est une grosse difficulté, hein. Il faut savoir que justifier d'un tel matériel aujourd'hui, c'est très compliqué. Il faut vraiment qu'il y ait une reconnaissance médicale par rapport à la pathologie. Et après, passer devant les classificateurs et autres. Et c'est vraiment très très compliqué. C'est très très compliqué. Oui. Voilà. Et pour donner un dernier exemple aussi, on a une des égéries du sport handisport, puisque une Italienne qu'on retrouve assez souvent, qu'on appelle Bébé Vio, aujourd'hui par exemple, c'est quelqu'un qui n'a plus de membres, donc plus de mains, plus de pieds, donc elle est équipée, elle, simplement, donc avec un crochet, donc on lui met son fleuret. Simplement, c'est quelqu'un qui a des capacités physiques hors normes, puisqu'elle a des abdos, mais comme elle est considérée, avec les quatre membres amputés, elle est considérée comme une B. Donc sans abdos. Donc une B, mais avec des capacités de A, et ça choque personne au niveau international,
Donc c'est quelqu'un qui est capable de battre même des A par équipe. Et aujourd'hui, donc, cette fille, elle est imbattable. En général, voilà, pour donner aussi l'exemple sur les classifications, on avait un séminaire dernièrement avec la haute perf en e-sport, et on disait qu'une médaille, ça se gagnait déjà sur la classification, quoi, malheureusement, mais c'est comme ça. Comment ? Ah, dans tous les sports. Dans tous les sports, on était tous autour de la table et on disait... On a l'exemple de la natation. Natation, cyclisme... Mais en même temps, le matériel, pas seulement chez les handisports, il y a eu aussi à une époque des polémiques sur les combinaisons pour les nageurs. Oui, tout à fait, pour les nageurs. Oui. C'est pareil, certains allaient plus vite parce qu'ils avaient tactile de combinaison. Tout à fait. Et ça a été aboli. Les dérives de la technologie dans le sport. Tout à fait, oui. C'est comme on en vient en athlétisme avec les semelles en carbone qui ont été d'ailleurs faites par rapport aux lames. Parce qu'on a un sauteur en longueur au jeu paralympique, Marcus Raymond, voilà, qui est capable d'aller quasiment aussi loin, voire plus loin que champion d'Allemagne valide. Le champion d'Allemagne valide. Il a fait les minima pour aller au championnat du monde, mais la fédé allemande n'a pas voulu parce qu'il avait sa prothèse. Et qui, du coup, est considéré comme un avantage aujourd'hui. Mais après, c'est sûr, la technologie, elle va prendre de plus en plus de place. Elle en prend de plus en plus de place, comme tu disais. Et le mouvement paralympique, il est nouveau. Et les Anglais ont été très malins. Donc, l'exemple que tu donnes de l'anglais ne m'étonne absolument pas. C'est qu'ils ont vite compris ça. Quand ils ont eu les Jeux à Londres, ils se sont dit, quel est l'avantage on peut avoir sur la concurrence? Et aujourd'hui, le mouvement paralympique était encore très loin. On bricolait. Et ils se sont dit, nous, on va aller là-dedans. Et ils ont développé ça, ils ont développé des fauteuils hors normes que personne ne pouvait avoir, qui ont été développés par BMW, je crois. Ils ont mis le paquet sur ça. Et aujourd'hui, un des facteurs de la performance importante dans le handisport, il y a la classification. Et ça, je te rejoins tout à fait, parce que c'est triste à dire, mais si je ne suis pas dans la bonne classification et que je n'ai pas la bonne pato, bah, c'est cuit pour moi, ou quasiment cuit pour moi. Et après, il y a la technologie, le fait d'avoir un matériel qui va un petit peu plus vite, qui est un petit peu plus résistant, qui rend plus d'énergie. Un bateau plus léger, là aujourd'hui, récemment on travaille avec le para-aviron. En fait, sur le para-aviron, ils ont ce qu'on appelle des planches de pied pour fixer leurs pieds. Aujourd'hui, le bateau de 4 en France, ils ont 4 planches de pied qui pèsent 5 kg. Mais les Anglais, ils ont 4 planches de pied, mais elles pèsent 2-3 kg. Donc il faut qu'ils gagnent sur leur bateau. Ils ont des bateaux avec des nouveaux matériaux. Alors je ne connais pas tous les nouveaux matériaux, mais aujourd'hui ça prend de plus en plus de place. C'est-à-dire qu'on essaie de tout alléger. Un fauteuil de basket, il y a des années, il pesait, je sais pas, 15 kilos. Aujourd'hui, tu es à 5-6 kilos. Et on va ultra individualiser le travail. Et je pense que c'est le travail que vous faites avec Paraperf. Donc Paraperf, parce qu'on a dit Paraperf depuis tout à l'heure, mais c'est un programme de recherche, justement, qui est tout nouveau, qui s'est mis en place avec les Jeux, parce qu'on s'est dit, on est totalement en retard sur ça. Sur l'utilisation de la science, sur l'utilisation des matériaux, sur l'ingénierie, tout ça, on est en retard. Airbus est aussi intégré là aujourd'hui, il fait des fauteuils pour nos athlètes. Mais on surindividualise. Et il faut qu'on puisse surindividualiser, il faut qu'on puisse avoir des fauteuils qui soient adaptés à la morphologie de la personne pour pouvoir être le plus performant possible. Donc oui, la technologie, elle prend de plus en plus de part. Et après, il y a des dérives sur la technologie. Il y a les lames de course qui font beaucoup parler. Il y a Marcus Reim, mais on peut peut-être imaginer qu'un jour, les amputés courront plus vite que les autres. Je ne sais pas si peut-être c'est plus votre domaine, mais si, l'évolution peut faire ça à un moment donné, je pense. On le voit, c'est vrai que sur Nancy, puisque je suis de Nancy, sur Nancy, on a une grosse société qui s'appelle Technique Ortho et qui fait beaucoup, beaucoup d'appareillages aussi et qui fait justement les lames. Et ils ont développé aussi des lames justement pour les amputés. Et on s'est aperçu qu'on avait fait l'expérience à l'époque avec Monsieur Baumgartner, qui était le patron, où on avait fait l'essai sur un patient qui était amputé complètement et on lui avait posé 2 lames. Et il s'était permis de battre 2 valides sur la course. Alors, ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai qu'il y a quand même, de par, on va dire, un effet mécanique, si vous voulez, l'effet ressort. Donc, il double. C'est comme si, j'allais dire, et ça me faisait un petit peu penser à quand on était gamin, on mettait des ressorts de sommier sous les godasses et puis on s'amusait à faire les couillons. Donc c'était, c'est vrai, on faisait ça pour jouer.
Et c'est exactement le même principe dont tu te dis, je vais sauter, je vais faire, et puis tu remets un petit ressort ou tu mets un autre ressort qui est un peu plus grand, et bien tu sautais plus loin, tu faisais le truc. Et c'est exactement la même chose. Et les lames aujourd'hui, c'est ça. Donc les lames carbone, et la grosse société qui fabrique et qui est justement avec la société, c'est Ottobock, qui est une société allemande, et qui est leader justement dans ces lames-là, et dans tout ce qui est appareillage aussi, si vous voulez, de prothèses pour les amputés. Donc c'est vrai que on développe ça de plus en plus, quoi. Donc, mais bon, nous, à notre niveau, on est sur des petits matériaux qui sont très très performants, mais on arrivera d'ici quelques années. Alors c'est vrai que j'ai essayé aussi, j'ai dit je vais peut-être m'essayer de me lancer, pour Stéphanie, faire du carbone. Puis après je me suis dit, non, c'est pas la peine, je préfère rester sur ma petite base tranquille. C'est plus facile, c'est moins contraignant, parce que le carbone, il y a aussi un gros désavantage, si vous voulez, c'est qu'on est obligé de faire un moule avant. On appelle ça une empreinte, c'est un négatif. On va reproduire exactement la même chose, on va couler du plâtre dedans, et ensuite on va remouler, on va faire l'appareillage par-dessus. Et nous, on a une particularité, c'est qu'on fait directement sur le patient. C'est 100 fois mieux, si vous voulez, c'est bien, il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de contraintes mécaniques non plus. Et si ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? On reprend la plaque et puis on la retrempe dans l'eau. Et puis je recommence une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, il n'y a aucun problème. Par contre, le carbone, tu t'es planté une fois, tu fous la plaque de carbone à la poubelle. Et ça, ça coûte cher. Voilà. C'est un peu l'inconvénient. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un challenge, c'est intéressant, c'est bien, c'est... On peut faire tout ce qu'on veut. Voilà. Mais comme on disait au départ, j'ai commencé en fait au niveau handicap à faire du sport, et ben voilà, c'est des échanges, c'est des demandes, c'est des rencontres souvent avec les personnes, et puis c'est l'envie des uns des autres de travailler des fois ensemble. Il n'y a pas de... Des fois les personnes qui nous disent « Oui, mais ça, je peux pas. » Bon, bah nous, ça va être compliqué de travailler avec quelqu'un qui s'arrête sur des choses en disant bah, « je reste dans mon milieu connu, je ne m'aventure pas ailleurs ». De temps en temps, c'est vrai que chez nous sur le sport haut niveau et sur déjà l'handicap, nous, on nous dit forcément « là, tu ne peux pas ». On a plusieurs portes, on a une porte ouverte, une porte fermée. Si la porte ouverte, je vois ce qu'il y a derrière. Je serai toujours intéressé par la porte qui est fermée parce que je ne vois pas ce qu'il y a. Donc je vais forcément aller où je ne peux pas aller, où on m'a dit il ne faut pas. Donc c'est toujours, mais souvent on a besoin de temps en temps d'un coup de main, on a besoin de temps en temps d'aller chercher aussi ce qu'on veut, leur expliquer nos contraintes, un petit peu nos envies aussi, et puis se dire bah voilà, j'ai une pathologie différente, je me suis encore cassé un bras, je me suis encore cassé un doigt, mais néanmoins je vais en compétition. Je reviens de compétition, j'ai une épaule en moins, mais c'est pas grave, je vais demander à mon chirurgien de m'opérer rapidement, et puis il faut 6 semaines de cicatrisation, je t'en donne 2. Débrouille-toi avec, et puis ensuite je vais aller voir mon ergo et se dire il va falloir que tu maintiennes de matière à ce que ça touche, parce que je vais aller m'entraîner dans 15 jours. Et voilà. Ah oui, je lui laisse pas le choix. Je continue et tu fais avec. Alors les autres aussi, c'est pas que je vais rebondir un tout petit peu, c'est pas que les handicapés, hein, entre parenthèses, hein. D'accord. Je m'occupe aussi d'équipes de sport de l'Est en Lorraine, du basket, on fait des machins, et systématiquement, j'ai les médecins qui me téléphonent, les médecins donc de l'AS, Fred et Olivier, qui m'appellent, me disent « Jean-Mi, tu es au cabinet ?»« Oui. Bon, je t'en envoie 2, là, ils se sont fait des fractures à l'entraînement. »« Oui, ok, d'accord. Ouais, alors fracture scaphoïde, machin, fracture pouce, fracture... Hein. Mais ils doivent jouer demain après-midi. Ouais, ok. » Oui, oui. Bah oui, bah écoute, on te l'envoie. On te les envoie. Et puis ça veut dire, démerde-toi. Excusez-moi, mais il n'y a pas d'autre terme, il n'y a pas d'autre mot. C'est, je vais faire l'appareillage, je vais faire, et puis on va faire en sorte que ça tienne bien, que ça résiste, on va dire. Et puis je dis, mais vous savez que le texte dit bien que vous ne pouvez pas jouer en sport de contact avec ce type d'appareillage. Oui, bon, on met un strap par-dessus, puis ça passe. Il suffit de mettre un strap par-dessus, et ça y est, c'est bon. L'arbitre vérifie, vous avez un strap, c'est bon, allez hop, tac, terminé, c'est bon, on y va, et puis voilà quoi.
Ben oui, c'est comme ça. Donc, si vous voulez, dans tous les sports, et ça fait des années que je... Comment ? C'est malhonnête. Ben, c'est pas réellement malhonnête non plus, c'est qu'ils sont obligés parce que vous avez des sponsors, vous avez des gens, ils sont... Après, c'est... Après le problème, oui. C'est vraiment qu'une histoire d'argent. Alors, il n'y a pas, ça, y a pas que ça. C'est ce qui me dérange. A... Enfin, si, quand même. Il y a quand même une histoire d'argent dans des grosses équipes. Oui. Des... Enfin, on va prendre le foot ou le basket, mmh. Des grosses équipes, il y a quand même derrière une histoire d'argent. Et je trouve que certains poussent loin le bouchon jusqu'à mettre en jeu leur santé. Alors, pour un scaphoïde, c'est peut-être pas forcément une mise en péril de sa vie, mais il y a bien d'autres choses, quoi. C'est ça que je veux dire. Alors, c'est vrai, mais c'est, alors il n'y a pas que, si vous voulez, je suis tout à fait d'accord avec vous, il n'y a pas que les sponsors, c'est aussi la personne. Si jamais elle ne joue pas, elle se sent complètement diminuée aussi. Et ça me fait penser, vous êtes en train de me faire penser à quelque chose, il y a déjà très très longtemps, puisque ça fait 40 ans que je fais de l'appareillage, j'arrive à ma retraite, hein, il faudrait que tu le saches, hein, bientôt. Hein. Bon, d'accord. Quand j'étais à l'hôpital d'enfants, je me souviendrai toujours d'une dame qui est arrivée avec son fils qui avait une fracture du tibia péroné, qui s'était fracturé tibia péroné en moto. Et donc, quand je l'ai reçu, on dit, bon, ben voilà, il faut faire l'appareillage, il faut faire la botte et tout, et puis c'est systématique, c'est 6 semaines à 8 semaines d'immobilisation, on ne peut rien faire d'autre et tout. Et la mère a répondu gentiment, on n'en a rien à foutre, vous devez absolument le remettre sur pied, parce qu'on vient d'avoir un contrat avec Suzuki. Et là, on l'a regardé, on a dit, ben écoutez, votre contrat avec Suzuki, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais votre fils, lui, c'est sa santé. Donc on s'est battu pour pouvoir l'appareiller, pour pouvoir faire ce qu'on avait à faire. Il a été obligé de nous faire une décharge, de nous signer une décharge, parce qu'elle ne voulait absolument pas qu'on s'en occupe, parce qu'elle dit non, je vais aller ailleurs, je vais faire pour que mon fils puisse, dans 15 jours, monter sur la moto avec ses bottes et compagnie, parce qu'il a un contrat sur le dos. Bon, le gamin, il avait 14-15 ans, quoi. Mais bon, c'est complètement aberrant. C'est aberrant, ce genre de situation. Mais bon, là, aujourd'hui, on est sur un autre niveau, une autre façon de faire, une autre façon d'être, donc ce qui est un peu différent, on va dire. Voilà. Mais bon, pour rejoindre ce que vous disiez, c'est vrai qu'il y a aussi ce problème santé, problème... Après, c'est l'esprit de compétition. Voilà, c'est ça. Prime. Oui. Enfin, voilà. Alors, moi, par rapport à ça, c'est vrai que, je vous dis, on investit beaucoup pour de la haute performance, quid pour celui qui ne performe pas. Enfin, c'est la question, moi, qui me dérange derrière. Enfin, c'est bien qu'on investisse pour de la haute performance, hein, Stéphanie, je n'ai rien contre, mais cela étant, tout le monde n'est pas performant. Et le but, c'est quand même, pour moi, de le faire pratiquer le plus grand nombre. Oui, tout à fait. Après, la technologie, elle a aussi son reflet dans le sport pour tous. C'est-à-dire que... C'est ça. Aujourd'hui, ce que Stéphanie va pouvoir utiliser à d'autres, l'adaptation du fauteuil, celui qui a bricolé, ça utilise d'autres. Et aujourd'hui, s'ils ont des fauteuils de basket comme aujourd'hui, des fauteuils de tennis, c'est aussi parce qu'à un moment donné, la technologie s'est penchée sur le sujet et s'est dit, il faut qu'on trouve une solution. Alors effectivement, au début, c'est souvent on investit pour un gars, on va mettre du carbone, mais peut-être que demain, l'innovation que Airbus va faire, ils n'auront pas tous le même fauteuil, mais ça va permettre à des gens d'avoir des meilleurs matériaux. Donc je pense qu'il y a quand même un transfert qui se fait. Oui, mais il se fait longtemps derrière. Bien sûr. Le problème, c'est ça, c'est le décalage. C'est qu'en attendant, les autres, ils sont, je dirais pas à la ramasse derrière, mais si, c'est un peu ça. Les fauteuils roulants, bon, effectivement, ils sont de plus en plus légers parce que maintenant, on en fait en titane. Un fauteuil classique, hein. Mais quand on voit le taux de prise en charge de sécurité sociale, il faut pouvoir le payer derrière. Hein. Ça, c'est une autre problématique. Mais même le matériel de sport, si on veut une prise en charge, moi je siège aussi en CDAPH, quand on demande des prises en charge, des gens nous demandent, on est limité dans l'enveloppe qu'on peut leur attribuer, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est comme... De toute manière, l'évolution, elle est toujours lente. Moi je sais que quand j'ai commencé, je ne trouvais pas un médecin qui m'aurait accompagné pour faire simplement la pratique de l'escrime par rapport à ma pathologie. Maintenant, il n'y a pas un club d'escrime qui refusera quelqu'un
parce qu'il a la maladie des os de verre, ou parce qu'il a en fait un syndrome d'Ehlers-Danlos et que ça casse tout le temps. Maintenant, ça semble aberrant de refuser quelqu'un par rapport à son handicap. Il n'y a plus d'handicap où on ne pourra pas faire une pratique sportive, quasiment. Alors, le problème, c'est que tous les clubs, si on prend les clubs valides, alors moi, je prône l'inclusion. Hein, même si je suis président d'un comité départemental handisport, je prône l'inclusion. Cela étant, on a encore des clubs, moi, quand j'en vois des gens qui ne veulent pas, parce que ça leur fait peur. Alors, par méconnaissance, sûrement. Hein, et le but du jeu, c'est... Enfin, moi, je pense que ce qu'on doit faire, c'est nous, c'est les accompagner pour faire en sorte d'eux. Mais c'est vrai que les gens, il y a un regard qui n'est pas toujours... Enfin, je dirais pas... Il n'est pas toujours bienveillant, enfin, parce qu'il y a une différence même par rapport à ceux qui sont là. Et c'est vrai que ça évolue aussi, mais doucement. Et c'est pour ça qu'on est encore plus ou moins entre nous. Enfin, chacun, sport adapté, handisport, valide. De temps en temps, on arrive à mélanger un peu tout le monde, mais pas toujours, quoi. C'est ce qui est dommage. La peur de l'autre, oui. Oui, c'est mais toujours voilà, ça, c'est la peur de l'autre. C'est les mentalités, c'est... C'est toujours, et ça vous pourrez absolument pas le changer, on va évoluer, c'est vrai qu'on a énormément évolué dans toutes ces techniques, dans tous ces matériaux, et avec les personnes si vous voulez, mais ça vous ne pourrez absolument pas faire changer ces mentalités-là, du tout. Donc c'est le propre de l'être humain, je suis désolé de dire, mais tu n'es pas comme moi, donc je ne vois vraiment pas pourquoi j'irai vers toi, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de très très particulier, quoi. Donc voilà, quoi. C'est un peu... Mais bon. Ça évolue. Oui, ça évolue énormément. Je vois depuis le temps que j'exerce, si vous voulez, on voit très très bien l'évolution. Tout à l'heure, monsieur parlait d'enfants autistes. J'en ai eu aussi dans le service, j'en ai soigné aussi quelques-uns. Et c'est vrai qu'il faut se mettre vraiment à leur hauteur. Il faut vraiment... Surtout quand vous avez une fracture et puis que vous allez utiliser une scie pour déplâtrer l'enfant qui est plâtré, qui est autiste, je peux vous garantir que c'est du sport. Parce que là, si il vous la prend, il vous la balance, et il vous tape, et la seule chose à faire, c'est de se mettre à sa hauteur, de se mettre avec lui. Et moi, j'avais trouvé cette astuce, et mon chef de service, à un moment donné, s'était posé la question, qu'est-ce que tu fous? Ça fait une heure que tu es enfermé dans ta salle avec le gamin, tu fais rien de plus. Mais c'était pour lui montrer, lui faire comprendre que c'était pas du tout dangereux, qu'il fallait que je m'occupe de lui et tout. Mais c'est très très compliqué, et c'est vrai que c'est... Il faut le faire. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Ah ben, ça doit être ça. Non, c'était clair. C'est clair, c'est vraiment je veux clair. Dire que c'est... Ouais. Je sais pas, la performance, l'évolution, ouais. L'allègement pour le sport, l'handisport, je trouve qu'on avance beaucoup. Après, les jeux, notamment sur ça, hein. Les jeux ont fait beaucoup. Et le but aussi, et là, je rejoins un petit peu ce qu'ils étaient là, c'est que... Il faut que les jeux soient aussi un héritage pour le sport. Et j'utilise beaucoup ce mot-là d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai inventé, l'héritage des jeux. Et l'héritage des jeux, il peut être aussi là-dedans. C'est-à-dire que tout à l'heure, Sébastien disait, pour le monde paralympique, le fait de... J'espère que ces jeux paralympiques soient une réussite en France. Peut-être que beaucoup de Français vont s'en rendre compte. Et déjà, aller accéder à du sport, ou en tout cas se manifester pour faire du sport, parce qu'il faut aussi qu'ils se manifestent et qu'ils disent « moi j'ai envie et on y va ». Mais toute cette partie technologique va peut-être aussi pouvoir ouvrir de nouvelles portes. Je prends par exemple, tout à l'heure, on parlait des lames, ça me vient à l'idée. Il y a les imprimantes 3D, aujourd'hui, qui permettent de faire des lames beaucoup moins chères. Et je crois que c'est Autobog, d'ailleurs, qui a fait le pied Challenger, qui est remboursé par la Sécu. Et donc, du coup, on a innové dans des lames qui coûtent cher. On s'est dit, c'est accessible à personne. Mm-hmm. Bah, aujourd'hui, peut-être 10 ans plus tard, Autobog sort un pied... Je suis amputé, je peux avoir une lame qui est prise en charge à 100% par la Fécu. Et qui est prise en charge par la caisse. Et j'espère que les jeux auront cet effet-là et que l'argent qui est investi aujourd'hui, qui va bénéficier et qui a pour but de faire des médailles, on ne va pas se mentir, demain, ça permettra de bénéficier à plus de monde. J'espère. Peut-être que je suis trop optimiste, mais... Non, c'est on va dire que c'est prévu un petit peu comme ça, quoi. Donc, c'est dans l'air du temps et il faut aussi faire évoluer les choses et faire évoluer les gens.
Les jeux sont à Paris. Donc voilà, c'est ce que j'allais dire. La patrie des noix de l'homme, à ce niveau-là, ça sera, où on partira d'un pied d'égalité, fauteuil et... Et puis toute personne en fait en situation de handicap partiront avec le même handicap, qui peut être pas forcément un handicap, mais peut-être un avantage. Voilà. Alors moi, c'est vrai que je considère toujours, comme je dis toujours pour certaines personnes, ça peut être un handicap, mais c'est pas vraiment un handicap, c'est aussi une particularité. C'est tout. Et non pas un handicap. Moi, je le considère pas du tout comme un handicap. Alors, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est... Mais je trouve que c'est plutôt une particularité, c'est tout. Comme tout le monde. Tout le monde a une particularité. Ben voilà, c'est tout. Je crois qu'on parle plus vers ce que vous dites maintenant. Je sais pas, moi je ressens comme ça aussi, une particularité. C'est tout. Moi les handicapés, c'est pour... Je veux dire que les médias parlent beaucoup actuellement aussi de ces problèmes, la personne handicapée qui vit hyper mieux que quelqu'un de valide. Mmh. Et là, on parlait d'autisme. Il y a eu de très bons films passés récemment sur ces cas d'enfants. Mmh. Et moi, je trouve que c'est... Il faut montrer ça. Il faut. Même si ça choque, il faut. Ça, ça choque quand même ça ne devrait certaines... Pas si. Il y a des gens qui ont été... Oui, mais ça ne devrait pas. Oui, non, mais c'est pas encore... Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous n'êtes pas comme les autres, c'est tout. C'est le regard des gens. C'est complètement différent. C'est le regard, bah oui, mais t'es pas comme moi, quoi, t'es tout. T'es pas... Bah justement, mélangeons, moi, c'est ce que je fais à travers les cours. Mmh. Bah, tout à fait. Les enfants autistes avec des enfants, alors je vais pas dire normaux, parce que c'est pas du tout la normalité. Ordinaire. Et justement, ça fait évoluer le regard de ces jeunes-là. Moi, bah, complètement. Au début, qui les regardait en se disant... Et puis au fur et à mesure, ils sont dans l'aide et je pense que c'est important le partage là-dessus. Alors, ça peut être ça peut faire évoluer de chaque côté. Ça évolue de chaque côté. Nous, à Cormontreuil, au club de judo, on le fait. On a pas beaucoup, mais on a des trisomiques. Je pense à le jeudi, on en a, mais il évolue. Bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Moi, j'ai une petite amie qui est trisomique, la fille de l'ex-chef de mon épouse, qui est trisomique. Et puis la gamine, elle a eu une scolarité qui était tout à fait normale. Elle a été dans une classe lambda, si vous voulez. Au début, ça a choqué un petit peu certaines personnes. Les moments où se sont permis de faire des réflexions en disant vous pouvez pas la mettre ailleurs. Donc, on s'est battu, on n'en avait rien à foutre. Et puis elle dit, de toute façon, je suis comme tous les autres, hein. Sauf que j'ai, alors elle a toujours su et on lui a expliqué, j'ai un chromosome de plus que toi. Point. Donc ça, c'était sa partie. Et puis c'était de dire, quand on l'embêtait, c'était systématique. Quand je lui faisais un petit truc et que je la titillais un petit peu, j'aimais bien faire ça, elle me disait toujours, va à la gare, toi, va à la gare. Donc c'était son mot. Donc on savait très bien qu'il fallait plus l'embêter, qu'il fallait laisser. Mais elle est d'une gentillesse, elle fait du théâtre, elle fait tout. Elle a une scolarité qui est tout à fait normale. Mais bon, c'est tout. C'est des enfants comme tout le monde, c'est des enfants comme vous, comme moi. Et puis voilà, quoi. Chez nous, on ne fait pas de différence. Moi, j'ai des enfants qui sont âgés maintenant, qui ont 38 et 36 ans. Ils ont toujours été élevés dans la bienveillance. Ils ont toujours été élevés... Même quand ils venaient me voir à l'hôpital, ils croisaient des enfants handicapés ou des personnes handicapées. Ils se mettaient sur leurs genoux, ils n'en avaient rien à foutre. Ils se faisaient trimballer, hop, ils partaient, et puis c'était comme ça, quoi. Donc, et ça reste, voilà, quoi. Donc, c'est tout. C'est le but, un jour, de pouvoir rentrer dans un club de sport dans une association ou dans un milieu professionnel, sans devoir dire je suis une femme, je suis handicapée, je suis noire, je suis blanc, je suis grand, qu'est-ce qu'on peut faire ? On garde le CV, on garde les compétences et on fait la même chose. Ou l'envie de pouvoir faire un sport et le partage, quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que concernant les femmes, en ce moment, on travaille pour nous.
Ben, actuellement, oui, mais quand on est dans le milieu sportif, et en plus qu'on est une femme, en général, on travaille pour rien depuis pendant quelques temps. Non, mais c'est parce que j'ai entendu ça. Et du coup, en ce moment, les femmes ne travaillent que dalle. Voilà. J'arrête pas de vous mettre, vous les femmes, je le dis en ce moment. Comment ? Vous faites des médailles de partout. Ah, ben ça va. Ah, si, voilà, c'est pour ça qu'on est obligé de le prouver. Ah, non, mais c'est ça. C'est le problème. Voilà, c'est le but. Moi, je vous remercie en tout cas de votre présence. Je vous remercie vous aussi. Ouais, merci. Je suis très contente de ces échanges. C'était vraiment très, très intéressant. Enfin, voilà, il n'y a que des sportifs là. Nous, dès que ça parle sport, ça touche au cœur. Voilà. Donc, c'était vraiment chouette. Et merci beaucoup. Merci. On peut applaudir. Hein. Ah, ouais.